Ce n'est pas la perfection de nos rites et de nos pratiques religieuses qui nous rendent acceptables aux yeux de Dieu. Lorsqu'un groupe de pharisiens critique Jésus parce que ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger, il leur répond que ce qui rend vraiment impur, c'est ce qui sort de la bouche. Les mots qu'on utilise ou partage sur les réseaux sociaux peuvent blesser les gens ou créer le royaume de Dieu.